Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. De partout, vous êtes en train de nous suivre, c'est la Nuit de Gloire Télévision, dans son émission Branham et les Codim. Branham et les Codim, comme vous le savez bien, c'est notre émission qui est en train de parcourir le centre des écoles des dimanches, où nos enfants sont en train d'étudier, pour vous faire savoir, pour montrer aux très chers parents, qu'est-ce que nos enfants viennent faire à l'école des dimanches. Comment ils s'adaptent à l'école du dimanche et de leur propre bouche en tant que vous entendez ce qu'ils ont étudié et comment ils pratiquent cela à la maison. C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui à la Nuit de Gloire Tabernacle. Nous vous rappelons que le centre Nuit de Gloire Tabernacle est au centre de son église à l'intérieur. Vous allez trouver le centre où le surveillant, le surveillant, qui vont le surveillant, le surintendant, le directeur, qui vont vous diriger de comment leurs activités sont en train de se passer. Donc c'est dimanche 5 février. Nos enfants ont très bien étudié. Branham et le Codim les a visités. Ils étaient là avec leur sujet, la décision des rites. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Tu vas bien? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Stéphane. Stéphanie. Stéphanie, nous sommes aujourd'hui dans votre école de dimanche. Tu veux dire ce que vous avez étudié aujourd'hui? On a étudié la décision des rites. La décision des rites. Rite, c'est qui? Il était qui, Rite? Tu peux parler quelque chose sur Rite? Ruth, c'était la belle-fille de Naomi. La belle-fille de Naomi. Oui. Alors, Ruth était habitant de quel pays? Qu'est-ce que tu as retenu de Ruth comme ça? Ruth était habitant du pays de... Du pays de Moab? Oui. Du pays de Moab. Oui. Ruth, du pays de Moab. Alors, quelle est la décision? Quelle décision Ruth avait prise? Avait pris quelle décision? Ruth avait pris la décision de... rester avec Naomi. De rester avec Naomi. Oui. De suivre Naomi jusqu'à où? Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Oui. Alors jusqu'à sa mort. Tu peux nous dire, on a entendu vous prêcher que la marche de Ruth avait les étapes. Oui. Tu peux avoir retenu les étapes de la marche de Ruth. Oui. Il y a combien des étapes d'abord? Il y a 4 étapes. 4 étapes de sa marche. Oui. Qui sont? Les 4 étapes sont. Oui. Première étape, c'était la décision de rite. Décision de rite. Deuxième étape, c'était le... Deuxième étape. C'était le travail de rite. Travail de rite, oui. Troisième étape, c'était le... C'était le... Troisième étape. Troisième étape, c'est... C'était son repos. C'était son repos. Je t'ai rappelé, hein? Oui. Tu avais déjà oublié. C'était la quatrième étape. Quatrième étape, c'était la récompense des rites. La récompense des rites, très bien. Alors, vous avez tué la décision des rites. Oui. Maintenant, pourquoi vous enseignez ça? C'est dans le but de quoi? De sorte que toi, si tu prends la décision ou bien? C'est en sorte que je puisse prendre la décision de sortir du monde. De sortir du monde, de suivre qui? De suivre Dieu. De suivre Dieu. En tout cas, que Dieu te bénisse, frère Stéphanie. Mon frère, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Sois à l'aise, hein, devant la caméra. Tu t'appelles comment? Israël. Tu t'appelles Israël. Israël, aujourd'hui nous sommes dans votre centre qui s'appelle comment? Nuit de gloire. Nuit de gloire tabernacle. Alors dans votre centre Nuit de gloire tabernacle, aujourd'hui qu'est-ce que vous avez étudié, frère Israël? La vie de Ruth. La vie de Ruth. On vous a dit que la vie de Ruth était regroupée dans combien de phases, dans combien d'étapes? Dans 2 étapes. Dans 2 étapes. Alors aujourd'hui, vous avez étudié quelle étape? La première étape que vous avez étudiée aujourd'hui, c'est quelle étape? Vous avez nommé ça comment? Tu as oublié? Oui. C'était la décision? Oui. Quand tu as oublié, moi j'ai retenu. Alors de la décision de rite, qu'est-ce qu'on vous a enseigné de la décision de rite? La décision de rite, vous t'avez dit de suivre ça. De suivre sa mère. Sa belle-mère. Sa belle-mère. Sa belle-mère. Alors, Ruth, en suivant sa belle-mère, c'était pour partir où? Partir. D'abord, Ruth, quand elle a suivi sa belle-mère, où était son mari? Son mari était mort. Son mari était mort. Qui était son mari face à Naomi, sa belle-mère? Son mari. Tu peux avoir retenu le nom de son mari? Oui. Son mari s'appelle comment? Jacob. S'appelait comment son mari? Le mari de Ruth qui était mort s'appelle comment? Le mari de Ruth qui était mort. Macon. C'était Macon.
qui était mort. Alors quand Macron est mort et qu'Eric était en train de partir, vous aussi, on vous a dit que vous devez prendre la décision. C'est quelle décision toi aussi tu as pris aujourd'hui? J'ai pris de venir à l'église. Tu as pris la décision de venir à l'église, très bien. J'ai pris la décision de plus voler. De ne plus voler. En tout cas, que Dieu te bénisse, frère Israël. Nous sommes très contents de toi. Eric? C'était suivre Naomi. C'était la décision de Eric, c'était de suivre Naomi. Tu peux avoir connu le nom de Naomi. Naomi, son mari s'appelait comment? Elimelech. Alors, vous avez chanté au moins une chanson à l'école des dimanches aujourd'hui que tu as retenue. Tu peux chanter une chanson seulement, allons-y. Chante-moi à haute voix. Dans ma vie. Je veux choisir Jésus dans ma vie. De mes yeux, je veux voir Jésus. Que Dieu te bénisse, la sœur Abigail. On est très content de toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Ici, que nous interviewons le directeur de ce centre que nous appelons. Très cher directeur. Bonjour, très cher directeur. Bonjour, Nara. Bonjour, nous sommes très contents de vous recevoir encore une fois dans notre émission. Branham et Branham et Kodim se réjouit. Branham et Kodim vous apprécie. Alors que nous sommes aujourd'hui dimanche 5 février 2023. Qu'est-ce que les enfants ont appris encore aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, le dimanche 5 mars, les enfants ont appris sur la vie d'Eric. La vie d'Eric, oui. C'était l'histoire d'Eric. Oui. Nous avons enseigné ceci sur base de la demande de notre pasteur. Nous avons demandé que des fois, vous pouvez commencer à tirer les sujets à enseigner aux enfants. Dans des prédications que lui prêche. Il est en train de prêcher. Oui, oui. Comme on se rappelle qu'un rite type de l'église a été prêché le mois passé. Oui, oui. C'est là que l'école des dimanches en a pris aussi. Oui, oui, nous avons pris cela et nous avons essayé quand même de synthétiser cela au niveau des enfants. Au niveau des enfants. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans la matière que vous retranchez au niveau des enfants ou bien vous donnez toute la nourriture aux enfants? Bon, vu qu'ils sont enfants aussi. Vu qu'ils ont, ils sont aussi encore enfants, oui. On ne peut pas prendre l'eau se donner à l'enfant pour lui donner à l'enfant. Oui, oui. On lui donne ne plus que quand l'enfant est encore petit, on va lui donner encore la bouillie jusqu'à ce qu'il va arriver. Vous allez au moment où il va commencer à manger. Alors, quelle bouillie vous avez donné aux enfants? Oui, comme aujourd'hui, nous avons parlé ne plus que sur l'histoire de Rit. Nous avons vu comment est-ce que Rit avait pris la décision, d'aller avec sa belle-mère qui était Naomi. Tout cela, c'était après que son mari Macron est décédé. Oui. C'est ça que nous avons appris aux enfants. Ce que vous avez appris comment? Nous les avons appris aussi que vous devez aussi prendre la décision c'est de suivre aussi le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi devez prendre la décision suivre le Seigneur Jésus-Christ. Oui, oui. Alors, dans la matière, quand vous êtes un peu dans la matière, alors c'est Ruth ou c'est Naomi, le Seigneur Jésus-Christ qui doivent suivre dans les types ou bien? Ouvrez un peu une brèche. Bon, par là, nous avons dit que non. Nous parlons sur la décision de la Ritz. Décision de Ritz, oui. Et Ritz, selon Frère Branham, vous avez dit que Ritz est le type de l'église. L'église orthodoxe. Oui, l'église. Oui. Nous devons, l'église qui était appelée. Oui, ok, Ritz, voilà. L'église qui était appelée. L'église qui était appelée à prendre une décision, oui, de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est ce que nous avons appris. C'est de cette façon-là que nous avons présenté les matières aux enfants pour leur dire que non. Vous aussi, oui, vous êtes l'épouse. Vous devez, oui, aussi sortir du monde pour suivre le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole. La parole, oui. Voilà. Donc les enfants devaient suivre la parole. La parole. En suivant la parole, ils seront en train de se référer au type des rites. Voilà. En tout cas, très cher directeur, nous sommes très contents. Mmh. Comment vos moniteurs, vos surveillants, comment ils vont très bien? Oui, oui. Tous les moniteurs, voire même les surveillantes, se portent mieux. Y a-t-il des conditions pour être moniteur ou surveillant de l'école de dimanche? Non. Dans votre centre, bien. Des conditions, nous en avons. Il faut quand même qu'il y ait des disciplines d'abord. Discipline, oui, oui. Il faut que quelqu'un qui connaît moins la parole, oui, soit aussi à mesure d'enseigner les enfants. Parce que tu ne peux pas te dire que tu es moniteur aussi longtemps que tu ne connais pas la parole. Alors, qu'est-ce qu'il va enseigner aux enfants? C'est ça aussi. Alors, des surveillantes, des surveillantes. Bon, quand on est surveillant, là, ça ne demande pas de problème. C'est simple. Prenons le fils d'un frère,
va commencer à nous assister. Plus il assiste, il voit comment qu'est-ce que nous enseignons. Demain, il peut devenir aussi. Et par après, on va lui aussi essayer quand même de lui demander s'il sera aussi en mesure d'enseigner. Sur base de ce que là, on a observé. Ça, on enseigne aussi. Ok, en tout cas, nous sommes très contents de vous, très cher directeur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous bénisse aussi. Merci. Très chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci pour avoir suivi Branham et le Kodi, votre émission que vous aimez très bien, l'émission que vous appréciez, l'émission que nous recevons par vos messages, par vos appels, par vos commentaires, par vos abonnements. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Nuée de Gloire Tabernacle qui se mettra à votre disposition à répondre à toutes vos questions ou à vous faire voir de plus ce que les enfants font à l'école du dimanche. Que Dieu vous bénisse richement.